C'est avec plaisir que nous prenons en main ce matin le SUV sportif Skoda Enyaq, full électrique de 295 chevaux, 77 kWh, avec bien sûr sa boîte automatique. Rappelons qu'il avait été lancé en 2020. Nous essayons la version propulsion ce matin, alors que ce modèle existe en version 4x4, appelée Enyaq 85X. Skoda poursuit donc son offensive électrique avec son SUV Enyaq EV, qui bénéficie en 2024 d'une mise à jour des moteurs et des batteries, qui offre plus de puissance et d'autonomie, d'un nouveau système d'infodivertissement et d'une montée en gamme, avec également l'apparition d'une finition Lauren & Clement. Encore au-dessus trône la version RS au moteur spécifique de 340 chevaux et avec un design plus spécifique, vous le voyez sûrement en ce moment sur cette vidéo. L'Enyaq EV marque le début d'une nouvelle ère pour le constructeur automobile tchèque. C'est pourquoi la marque franchit aussi une nouvelle étape en matière de design avec l'Enyaq EV que vous avez derrière moi. Avec ses lignes émotives et dynamiques ainsi que les proportions équilibrées, eh bien le nouveau Enyaq EV offre un espace à bord généreux et une expérience de conduite plutôt séduisante. L'Enyaq EV présente des lignes dynamiques, des surfaces claires et des éléments cristallins qui s'inspirent de l'art du cristal de Bohême. Ce SUV électrique de 4,65 m de long pour 1,88 m de large et 1,61 m de haut, à la silhouette assez massive, vient se battre sur un segment très prisé. Il se trouve face à lui le Volkswagen ID4, le Kia EV6, le Hyundai Ioniq 5 par exemple. Malgré son poids trop élevé, c'est vrai, le SUV tchèque se place comme l'un des SUV électriques familiaux les plus performants du marché à l'heure actuelle, juste derrière la Tesla Y. À l'intérieur, l'espace utile reste généreux, tout comme le coffre, dont le volume varie de 585 litres à 1710 litres, de belles valeurs dans la catégorie. Le tchèque est bien adapté à une famille de 4 personnes. En effet, si les places arrière sont spacieuses, celle du milieu est pénalisée par l'arrière de la console centrale. La banquette ne coulisse pas, elle est fonctionnable selon le schéma 2/3, 1/3 avec une trappe à ski, rabattable depuis le coffre. Skoda oblige, on trouve quelques détails facilitant la vie comme le rangement du parapluie situé dans la porte du conducteur. Le système d'infodivertissement de Skoda Enyaq 85 a subi une transformation significative. Le grand écran de 13 pouces couplé à un écran de 5,3 pouces pour l'instrumentation offre une expérience d'utilisateur améliorée. Avec la mise à jour logicielle et l'intégration de l'assistant vocal, Laura, la navigation dans les menus est désormais plus intuitive. Le système de navigation de l'Enyaq, intégré à un planificateur d'itinéraire intelligent, tient compte de multiples paramètres pour optimiser les trajets. Comme les modèles RS, les versions 85 et 85X sont dotées d'un nouveau groupe motopropulseur plus puissant avec un moteur synchrone sur l'essieu arrière. Pour notre Skoda Enyaq 85, la puissance augmente de 60 kW, 81 chevaux par rapport à la version 80, pour atteindre 210 kW, 285 chevaux donc. La transmission intégrale de l'Enyaq 85X délivre également 210 kW, 285 chevaux, soit
15 kW, 20 chevaux donc de plus que son prédécesseur. L'Enyaq RS offre désormais une puissance de 250 kW, c'est-à-dire 340 chevaux, une augmentation donc de 30 kW, 40 chevaux par rapport au modèle précédent. Une batterie optimisée avec une gestion thermique encore plus avancée augmente l'autonomie à plus de 560 km pour la version 85, c'est notre essai de ce matin, et à plus de 575 km pour sa déclinaison coupée. Le lettrage sur le haillon des modèles Enyaq 2024 ainsi que les logos sont conformes à la nouvelle identité visuelle Skoda bien sûr, et l'extension IV a été supprimée du nom du modèle. Grâce à de nouvelles batteries, les versions à transmission intégrale Enyaq 85X et RS offrent désormais des performances de charge encore meilleures avec une puissance de recharge sur les bornes rapides allant jusqu'à 175 kW. Charger la batterie haute tension de 82 kWh, 72 kWh net donc, de 10 à 80% ne prend que 28 minutes, soit 8 minutes de moins qu'auparavant. Les puissances de recharge de l'Enyaq 85 restent de 135 kW, c'est notre modèle. Pour notre version 85, il faut donc compter sur 28 minutes sur une prise publique d'essai rapide de 125 kWh, 6 heures sur une prise publique AC de 11 kWh, 9h30 sur une piste de 7 kWh, et enfin si vous êtes à la maison, un peu plus de 24 heures pour une prise domestique de 2 kWh. Et bien sur nos routes, le SUV Enyaq de Skoda propose un système de récupération d'énergie ludique et assez évolué qui comprend 4 niveaux. Ce dernier va de la roue libre à la conduite quasiment à une pédale. Il faut encore freiner pour s'arrêter totalement. Ces niveaux peuvent être sélectionnés automatiquement par le système de la voiture. Lié à la navigation, il adapte la récupération en fonction du trafic et du relief. J'ai pu profiter de notre Skoda Enyaq IV quelques heures en Martinique. La direction s'est avérée vraiment précise. L'arrière semble posé sur un rail et les transferts de masse sont bien compensés. Le comportement est sûr, il donne confiance sur les petites routes de notre Martinique. À vous maintenant d'aller l'essayer. Et à très vite pour un nouvel essai sur gtman.fr.